aantelt. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? Oui, dat is wel cool. Ik zou ook al het kookend doen als je met dat. En dat was het? Oui! Ja, ja, ja. Ja, dat is wel ja, parce que moi j'avais 3 ans, quand j'avais 3 ans, il y a eu notre maison brûlée et j'étais là, petit enfant. Quand mon bébé Tris Gade, c'est bien Mas Bats, quand je savais que je me souviens. Alors, moi je sais ce qu'il faut faire. Et prier. Je sais pas, quand je suis là, je suis là, je suis là. Voyager, mon âme, je suis là. Et Dieu touche là, la blessure. Ja, un Dievs tieši viņam tieši šo ievainojumu var dziedināt. Troisième avantage. Un trešais labums. Elle réveille les autres charismes. Ka, tas kā pamodina uzmanīt citas charismas. Le genre l'homme est un peu humiliant comme prière. C'est humiliant. C'est humiliant. J'ai honte. J'ai un sentiment de honte. Yeah. Quand on sent petit. Comme un bébé. Parce qu'on fait des sangs. On fait des sangs. C'est quoi les chants, non? C'est quoi ça? Quand on nous chante. Quand moi je prie en langue, les gens, ça, ils croient que je parle une langue intelligente. Ils croient que je parle une langue normale, intelligente. Non, c'est complètement stupide. C'est tout petit, c'est simple. Ce sont des sons. C'est des sons. C'est-à-dire, j'ai dit aux gens, ceux qui veulent pratiquer ce don-là, ceux qui veulent pratiquer ce don-là. Il y en a qui sont intéressés à ce don-là. Gribu iemācīties lūgties valodas par mēnesi. Ah, et alors, si il y a seulement 2 personnes, je ne vais pas donner des discours. Trois personnes. Jā, 3, 4 jau ir. Voilà, je vous trouverai après alors. Jā, tad pēc tam satiksimies. Pour les autres, si ça vous arrive, normalement, ça n'arrive pas. Mais ça arrive, ben, vous pouvez le repousser, vous pouvez le laisser. Oui. Non, il suffit de faire des sons. Vous essayez de parler une langue que vous ne connaissez pas du tout. Moi, j'essaie de parler en chinois. Ching chong ping chong ping ching 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 ching. Je ne sais pas ce que je raconte. Quand ça brûle, peut-être c'est même pas du chinois, je ne sais pas. Peut-être non, moi, ce qui n'est pas vrai. Mais ça peut arriver. Si un chinois vient, il peut. Oh, tiens, tu m'as parlé. Tu as dit une chose importante à moi. Ça peut arriver. Bet, piemēram, var sanākt arī tā, ka, piemēram, kas ķinietis ienāktu, un viņš pateiktu, jā, tu patiesi kaut kā rīgojā. Man vēl, jā. Jā, arī, jā, viņa persona, ki būdēs ir suicidē. Parīzi bija kāds viens cilvēks, kurš gribēja izdarīt pašnāvību. Et il entend, dans son dialecte, dans sa langue, quelqu'un qui dit, ne le fais pas, ne te tue pas. Un viņš dzird balsi, ka savā dialekta tieši, ka tas runa, il va monter, là, il voit un groupe de chrétiens qui sont en train de chanter au long. Qui de vous parle dans ma langue? Que personne ne connaît. Personne ne connaît cette langue. Il y a une personne qui dit, j'ai chanté, j'ai parlé dans la langue, voilà.
Et il a été sauvé comme ça. Ja, mums ir tāda veida, ka cilvēks bija labs, jā, ka viņš sadzirdēja tieši savu valodu. Kāpēc nedarīt pašnāvību. Donc voilà, il y a des dons de l'esprit, il y en a plusieurs sortes. Il y a des dons qui sont des dons de, qu'on trouve dans le livre d'Isaïe. Les sept dons. Ce sont les dons les plus importants. Parce que si le Seigneur agit avec ses sept dons sur votre foi, sur votre espérance et sur votre amour, votre foi, votre espérance et votre amour augmentent. Il y a aussi les fruits de l'Esprit, on trouve dans les Galates, chapitre 5. Ir atrodamas vēstu galatiešiem, mēs atradam arī svētā garā dāvanas. Il y a l'amour, le plus grand don qu'il faut toujours demander, c'est l'amour. Visvēlākā dāvana, kas jābūs tā mīlestība. Le deuxième, c'est la joie. Otra dāvana, tas ir prieks. La paix. Mais ces trois-là sont très importants pour savoir si je suis dans l'esprit ou pas. Il y a le don de la prophétie. Le don de la prophétie, ce n'est pas dire l'avenir, d'abord c'est encourager. Un šīs pravietojuma dāvanē tieši ir drosme. Par exemple, vous avez déjà fait l'expérience de ça. Jums jau bija pieredze. Quand vous allez voir un malade à l'hôpital. Es piemēram, jūs ejat uz slimnīcu, apmeklēt to slimo. Vous ne savez pas quoi dire. Es nezinu, ko šim cilvēkam pateikt. Vous demandez, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Jūs prasat kungam, es nezinu, ko šim cilvēkam pateikt. Et vous parlez. Un jūs runājat. Et vous trouvez-vous que ce n'est pas important ce que vous dites. Un, bet jūs saprotat, ka tam nav lielas nozīmes, ko jūs sakat. La semaine après, pēc nedēļas, quand vous allez retrouver la personne, kad jūs atkal atrodat šo cilvēku, dit, merci ce que tu m'as dit. Cilvēks jums var pateikt, paldies, ka tu man esi teicis. Ça m'a fait tellement du bien. Tas man tik daudz labuma es saņemu ar to, jā. Tas ir profesija. Un tas ir tā ir pravietojuma dāvana, jā. Moi, je fais ça, moi, je fais toujours le prophète. Jā, c'est mon travail. Jūs saka, tas ir mans darbs vienmēr būt par pravietu, jā. Je ne dis pas l'avenir. Es nesaku cilvēkiem nākotni. Mais quand je dis au dépressif, réveillez-vous! Bet kad cilvēkiem, kā depresijas, saku, mostieties. Courage! Choisissez la vie! C'est prophétique. Alors, il y a les charismes. Donc, dans aux Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens. Là, on donne une liste de charismes. Et là, le charisme, ce n'est jamais pour vous-même. C'est pour les autres. C'est pour édifier la communauté. Mais attention, les charismes, les dons sont importants pour devenir saints. Ziniet, ka dāvanas ir nepieciešamas, lai mēs kļūtu par svētiem. Les fruits sont importants pour devenir saints. Un šīs augļi arī nepieciešami, lai mēs varētu būt kļūt svētiem. Mais je peux avoir des grands charismes. Bet man tie varētu būt lielas charismas. Et ne pas être saint. Un es nebūšu svētas, piemēram. Donc Jésus dit à eux,
Va, allez, 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 sortez, partez. I Jēzus. Jā, Jēzus viņam saka, tam cilvēkam pateiks, ejiet prom, es nepazīstu. Il dit, mais nous avons prophétisé au ton nom. Un tiem cilvēki teiks, ka mēs esam pravietojuši ar tavu vārdu. Nous avons fait des miracles. Mēs esam darījuši brīnumus. Nous avons parlé devant les grandes foules. Mēs esam runājuši lielu cilvēku, lielu puļu priekšā. Jēzus dit, je ne vous connais pas. Dievs paņem pateiks, es jūs nepazīstu. Partez, vous êtes méchants. Donc le charisme n'est pas une preuve qu'on est proche de Dieu. Vous devrez faire attention quand vous voyez des gens qui ont des grands charismes qui se montrent à la télévision. Le signe qu'on appartient à Dieu, c'est l'humilité. Tiešām šī zīme, ka mēs piederam Dievam, tas ir mūsu pazemība. Ceux qui suivent Jésus aiment bien la dernière place. Tas, kurš mīl Jēzu, viņš mīl pēdējo vietu. Il devient comme Jésus. Un viņš kļūst tas, ka Jēzus. Voilà. Quel don, quel charisme, quel fruit demandé? Jā, tad kādas dāvanas, kādas augļas un kādas charismas mums. Puisque je n'ai pas le temps d'expliquer tous les charismes, tous les dons, tous les esprits, parce qu'il faut des heures pour donner cours. Faites comme la petite Thérèse les yeux. Donne-moi tout, elle dit. Je veux le maximum. Comme les enfants. Donc vous mettez sous le genou du Père. Et le Père dit au ministre, attendez, j'ai quelque chose de plus important que vous ici. Dieu pateiks, visiem kādiem ministriem, ka es esmu kaut ko svarīgu savu priekšu tagad tikai jums. Le petit ici sur mes genoux est plus important. Bet jo tas, kurš domājoties manu priekšu uz sevi, viņš ir mums ļoti svarīgs. Qu'est-ce que tu veux, dis-moi? Un Dievs teiks, ko tu no manis gribi? Vous savez, un méchant, Herod, qui est un méchant, vous savez, Herod. Zinat, ka Herods, viņš quand il voyait la jeune fille qui dansait pour lui, il dit, demande-moi tout ce que tu veux, demande, je te donne même la moitié de mon royaume. Tandis Dieu, le Père, qu'est-ce qu'il dit? Je te donne tout. Es tev dodu visu. Je me donne moi-même. Es tev dodu sevi pilnību. Je te donne Jésus, je te donne l'esprit. Es tev dodu Jēzus, es tev dodu svēto gāru. Marie. Es tev dodu Mariju. Tous les saints, tout appartient. Es tev dodu visu svētus. Viss tev pieder. Saint Paul dit, tout appartient, tout m'appartient, tout. Apostols Pauls teica, ka viss man pieder. Voilà. Ça vous croyez, ça? Que vous, tout vous appartient? Jūs ticat tam, kā jums viss pieder. Mans prāvis vien, man saka, viss, kas ir manis, ir tāvējis. Voilà. Merci, paldies, et voilà.